Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction des frères. Merci pour tous vos messages, j'ai reçu plus de 99 DM sur Instagram. Ouais, fais une réaction sur mon pote, ouais, fais une réaction sur lui, il est super chaud, il est grave talentueux. Les gars, j'essaie de répondre à tous vos DM, ne vous inquiétez pas. Moi, mon but, c'est vraiment de mettre en avant les futures pépites du basket français. Donc, je vais le faire. Je vais le faire. Et vous m'avez aussi envoyé des messages sur Twitter. Ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Allez me follow sur Twitter et Instagram, DogDogan. Aujourd'hui, je crois qu'on a affaire à un futur crack. Je pense que oui, c'est vraiment le futur de notre nation. Oui, oui, je vais très loin. Mais je le pense. Les gars, j'ai vu juste une action. Et je pense que oui, bon, j'avoue, j'abuse. En une action, je ne vais pas dire que ce mec, c'est le futur MJ et tout. Mais franchement, j'ai vu une action de lui. Je me suis dit, j'ai dit à son père, faites-moi une vidéo de 7 minutes sur votre enfant. Je vais réagir en direct avec vous. C'est-à-dire que là, j'ai pas vu la vidéo. Donc, je vais vraiment réagir en direct avec vous. Et je vais vous faire une petite présentation de ce joueur. Il s'appelle Wadal Kamouge, il a 11 ans, il est né à Versailles le 11 juillet 2011. Comme vous pouvez le voir, il joue à Nanterre. Et franchement, j'étais impressionné par son palmarès, ses frères. Comment un jeune de 11 ans peut avoir un palmarès mieux que moi, mieux que beaucoup de joueurs qui ont plus de 20 ans? C'est une dinguerie. Écoutez bien, ça c'est son palmarès cette saison. 2021-2022, écoutez bien, il y avait Covid, tout ça, hein. Des Covid, des passes sanitaires, des choses, des trucs. Écoutez, son palmarès seulement. Vainqueur du Challenge Île-de-France U13 en octobre 2021. Vainqueur du tournoi U12 en Hongrie à Budapest du 10 au 12 décembre 2021. Vainqueur du Mondial de Beaubourg U11 du 16 au 18 avril 2022. Ainsi que MVP du tournoi, bien sûr, comme si c'était pas suffisant. A few moments later. Vainqueur du tournoi de 13, je sais pas si on dit ça, bah, du coup, ouais. Ok, en U13 à Bordeaux, du 30 au 1er mai. Et champion de la Super Elite Région U13 le 21 mai. Ainsi que champion du 92 U11 le 5 juin 2022. Et champion d'Île-de-France U13 le 26 juin 2022. Wesh, c'est quel palmarès, ses frères. C'est possible d'avoir... Eh, vas-y, moi, j'arrête de parler, frère. Et aussi, juste un truc. Cette saison, il a perdu juste 3 matchs. Voilà. C'est Undertaker, hein. C'est Undertaker à WrestleMania, clairement. Donc, allez, c'est parti. Let's go. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh shit, c'est la première action des frères. Et le daron, il est énervé, hein. Ok, c'est un gaucher. Ok, j'avais pas capté. Ok, c'est un gaucher. Bon flotteur. Jusqu'à le coach adverse, il est énervé, hein. Ok. C'est bien ça. C'est ça, Wadal. Hey, tu fais pas des trucs comme ça quand même. Vas-y. T'as 11 ans, frérot, tu... Ouh, de spin. Ouh, là, là. Finis-moi ça, frérot. Finis-moi ça. Oh my god, oh là là, encore un spin. Oh là 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 là. Wesh, il perd pas la balle, il a mis des aimants ou quoi sur sa main ou quoi? C'est quoi le délire là? Oh. Oh, il est rapide, hein. Oh là là. Oh, il est rapide. C'est bien, ça se voit qu'il y a une bonne cohésion dans son équipe, hein, et dans son club aussi. On a rien à secouer. Et ils peuvent être trois à l'intérieur. Il va aller. Il n'en a rien à secouer. C'est même pas son problème. Putain.
demande, il tourne à combien de points par match? Il a un bon geste en plus, il a un très bon geste. Hein. Non, non, en vrai de vrai, sans de Cheb, il a un très bon geste. Hein. Frère, 11 ans, moi, je savais même pas mettre de 3 points, lui, il s'amuse. Il a l'air de s'amuser aux 3 points. À 45 degrés, c'est son jardin. Allez, cours, cours, cours. Ah, bah, tu vois, même son père, il le dit. En tout cas, son père, c'est, ça doit que. Déjà, c'est un bon papa qui aide beaucoup son fils, qui le motive, qui le met en confiance. Parce que, hé, les gars, on parle d'un gars qui a quand même 11 ans. Hein. Il shoot à 3 points, il met des N1. Moi, à 11 ans, les frères, j'avais peur de jouer. Hein. Voilà. Voilà. Hey. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais lui, c'est même pas. Et Théma, le pivot, il vient sur lui, il s'en fout, flotteur, c'est même pas son problème. C'est même pas son problème. Ça, c'est ton shoot, ça, frérot. C'est ton shoot, gamin. Bah oui. Ça, c'est son shoot. Hey. Bonne finition, le gars. Très bonne finition. Ouh. La petite feinte là. Hey. C'est bien, c'est une bonne passe. Je pensais qu'il allait attaquer le panier et tout. J'allais dire, non, là, tu peux être très fort, mais bon. T'as pas non plus 50 badges en finition, quoi. N1. Propre, non, propre, propre, propre. Daron qui continue à motiver. Oh, un petit face comme ça, gratuitement, ok. Voilà. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Franchement, Daron, il me fait archi plaisir. Comment il... Oh, le Jay-Z. Oh. Ah, c'est dommage. Putain, il a mis ça, là. Oh, non, non. Et qui, il apprend tous ces... Oh, je crois pas. Comment ils apprennent aussi... Qui apprend au petit à faire ça là? C'est en phare de des vidéos Bonnie Sife, des vidéos de Irving, tout ça? Ou c'est à l'entraînement qu'ils apprennent tout ça là? Très bonne défense. Très très bonne défense. Très bonne passe. Yes. D'ailleurs, les gars, très 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 intéressant, très très important. Vous voyez, bon. C'est bien d'avoir des mixtapes sur... voilà, on sait que vous savez shooter, vous savez dribbler, vous attaquez bien. Mais la défense, c'est très important, les frères. Et je trouve que dans cette mixtape, il y a quand même des choses en défense, des petits pickpockets, des inters, des bonnes défenses, des bons contests. Donc n'hésitez pas, si pour mes futures prochaines réactions, de mettre aussi des actions, ce que vous faites aussi en défense, parce que c'est important. C'est très important. La meilleure défense, c'est l'attaque. Non, la meilleure attaque, ça peut pas être vrai. Le daron, il tape. Il rigole au calme. Gros fou rire, tout ça en plein match. Il s'en fout pas là. Hey. Ah, il en a rien à secouer. Hein. Il en a rien à secouer d'adversaire. Il veut abattre les nœuds. Mais wesh. J'aimerais bien voir des petits shoots à mi-distance, etc. Où il crée un peu d'espace à mi-distance. Voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Une très belle passe. Oh là là. Ah non, il va trop vite, frère. Ah, son père, il veut qu'il joue. Hein. Il veut qu'il prenne ses shoots. Hein. Bah c'est important, dans les... surtout dans les tournois, c'est important de jouer aussi, de montrer ce que tu... Oh, oh c'était propre, ça. Non, franchement, hé, les gars, en vrai de vrai, vous pouvez dire qu'ils dribblent beaucoup, qu'ils croquent et tout, mais ces dribbles, je trouve qu'ils sont grave efficaces. C'est pas juste des dribbles sur place ou comme Julian Newman. Je sais pas pourquoi je tire sur lui, alors que c'est un très bon joueur, même si, voilà... Mais c'est pas des dribbles comme ça, genre c'est vraiment des dribbles où il va vraiment effacer l'adversaire, ou le prendre de vitesse, et je trouve que c'est efficace. Vous pouvez dire qu'il croque ? Moi je trouve que c'est efficace ce dribble.
pour moi. Ah ouais, ça se prend pour Kevin Love, ça se prend pour Dwayne Wade avec des bras. Bon shoot, hein. Franchement. Voilà, c'est ça qu'on veut, des contres aussi. Très important. Prends ton petit chemise. Oh là, c'est beau, c'est beau. Il me plaît bien ce joueur. J'ai l'impression maintenant que tous les meneurs, tous les petits meneurs, c'est tous des scoreurs. Il est tout seul. Il se démarque bien. Il s'est bien démarqué, je trouve. C'est très bien démarqué. Franchement, c'est propre. J'ai rien à dire, les frères, c'est propre de fou. Bon, après. J'aurais bien aimé plus de shoot quand même à mi-distance, plus d'occasions pour ses coéquipiers. C'est d'après les Français, tu vois. J'aime bien dire aussi qu'il est chaud, mais il est chaud. Mais je pense qu'avec un peu plus de passes, ça aurait été mieux. Après, vers la fin, il y a eu beaucoup de passes aussi, donc voilà. Après, il a une bonne finition, que ce soit main droite, main gauche. Ses flotteurs efficaces, ses dribbles efficaces, il va super vite. Et j'ai l'impression qu'en défense, c'est un bon pickpocket. Voilà, il est très à l'affût. Surtout qu'on a un grand qui a la balle, il n'hésite pas à lui prendre la balle. C'est un gros scoreur. Hein. Je pense qu'il doit tourner à 20 points par match. Plus de 20 points. C'est un très gros scoreur. Mais j'aimerais bien voir des petits shoots à mi-distance. Après, niveau dribble, il est efficace. Et comme j'ai dit, voilà. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur. Notez son jeu sur 10. Dites-moi ses qualités ainsi que ses défauts. Likez et partagez l'équipe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Logan. Et n'hésitez pas à commenter s'il y a des joueurs qui sont chauds, des futurs cracks. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, sur mon Instagram ou sur mon Twitter. Likez, partagez. Faut qu'on développe ce basket français parce qu'il y a des pépites. Et faut qu'on tue les Quinri, faut qu'on tue les Espagnols. Enfin, attends, quand je dis tuer, non, faut qu'on les batte. Faut les gagner, quoi, dans les Jeux Olympiques, en Coupe du Monde, tout ça, parce que les gens vont croire que je dis ça au premier degré, là. Non, les gars, calmez-vous, hein. Moi, je suis pour la paix, hein. Donc, voilà, c'était Logan, on se dit à la prochaine. Salut.